Et si l'amour se vivait toujours comme au premier jour? Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir, 18h-18h30, c'est le débrief de l'actualité high-tech de la semaine, et c'est 01 Live Hebdo, un 01 Live Hebdo un petit peu particulier quand même. Jérôme, bonsoir. Salut François, de quoi allons-nous parler? Non, c'est pas ça, en plus non, je me trompe. Non, en plus ça c'est pas Noël, c'est pas Noël. C'est Walt Disney. Bah, c'est pareil. Oh, écoute, oui, c'est vrai, ça Disney, Noël. C'est Jingle Bell. Jingle Bell. Bon ben oui, c'est un spécial Noël qu'on vous propose maintenant. Regardez comme il est beau ce sapin. On voit que le début du sapin, c'est ça. Mais Thomas va nous faire un joli plan. Regardez comme il est beau, il est tout clignotant. Voilà. On a sorti les boules sur 01 TV et les guirlandes. Pas toutes, hein, heureusement. Mais on va parler de techno, bien entendu. Smartphone, montres connectées, drones, casques audio, gadgets high-tech en tout genre. Vous allez découvrir ce soir les coups de cœur de la rédaction de 01net. Et puis on vous proposera aussi un incontournable de Noël. Quel smartphone s'offrir? Galaxy A7 ou iPhone 7? Eh bien vous savez quoi? On a les deux protagonistes de l'histoire qui sont sur ce plateau. On va essayer d'être très complet. Et pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser un mois de salaire en cadeau de Noël, on va s'intéresser aux cadeaux pour petit budget avec des tas de trucs plutôt sympas, utiles ou carrément inutiles. Oui, parce qu'il y a des cadeaux inutiles quand même, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est ceux qui font parfois très plaisir parce qu'on rigole 5 minutes, après on les jette. Et puis il y a un cadeau aussi que vous ne pourrez pas commander, dont on va parler, c'est la Pebble. La Pebble, c'est terminé. Caput, terminé. Voilà. Mais ouais, c'est Delphine Sabatier qui viendra nous raconter cet épisode dans sa chronique Zoom Actu. Voilà, et puis bien entendu, la question 01net orange du jour, elle est consacrée à Noël. La question 01net, dans un instant, on vous la pose. Et oui, la question 01net orange, la voici, la voilà, le monde entier l'attend, Jérôme. Une question 01net orange en plus d'actualité. Incroyable. Cette année à Noël, est-ce que vous serez plutôt smartphone, ordinateur, montre connectée, drone ou autre chose? Dites-le nous, qu'est-ce qui vous fait envie en matière de cadeaux high-tech? www.01net.com, vous votez, on en parle tout à l'heure. Est-ce qu'on peut tout sélectionner, Jérôme? Non. Non? Choisir. Parce que j'aurais bien voulu. Tout le monde n'a pas ton Père Noël. Mon Père Noël particulier. Ton Père Noël particulier, d'accord, extrêmement riche, donc il faut choisir. Et dites-nous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce soir, quel est le cadeau qui vous fait rêver? Hashtag 01Live sur Twitter. Participez et on fera une petite sélection puisqu'on est en direct sur Twitter, bien évidemment. Nous avons dépêché nos meilleurs spécialistes. C'est vrai. Nos spécialistes de Noël. Complètement. Nos spécialistes des cadeaux high-tech, Jean-Sébastien Zanqui et Raphaël Grably, ils sont là. Jean-Sébastien. Salut. Bonsoir. Messieurs, salut. Bonjour. Avec bonjour. Un duel au sommet aujourd'hui, attention, puisqu'on va quand même être les arbitres d'un match impressionnant entre Jean-Sébastien Zanqui qui va défendre l'iPhone 7 et Raphaël Grably qui, lui, va défendre le Galaxy S7 parce que c'est véritablement le débat un peu de ce Noël. Hein. Ouais. Quel smartphone choisir? En tout cas, les smartphones haut de gamme. Il y en a d'autres, mais c'est eux qui vont cristalliser un petit peu tous les intérêts. Oui, parce qu'après, on parlera des autres quand même. Il y a des choses intéressantes. Bien sûr. Et puis Stéphanie Molinier nous rejoindra et Aymeric Siméron aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, les amis, comment départager ce téléphone? Ah voilà, je veux acheter un gros smartphone, vraiment me faire plaisir. Un truc, ça fait 5 ans que j'économise. Ça s'appelle une tablette. lequel je choisis? Mais c'est vrai, je pense que comme nous, on n'arrête pas de vous poser la question en ce moment. Alors, j'achète ça ou j'achète ça, etc. Même la nuit, on les appelle. Même la nuit, on les appelle. Bah, ça dépend combien on veut mettre, parce que le Samsung S7, pardon, il est quand même bien moins cher que l'iPhone 7. Il coûte 100€ de moins. En plus, il y a souvent des promos, etc. Chez Apple, les promos, on peut quand même à peu près se brosser. On peut se brosser, oui, c'est sûr. Donc Raphaël a fait son choix. C'est-à-dire que quand vous avez un smartphone qui propose plus de choses à 200€ de moins, voire 300€ de moins, en général, on n'hésite pas trop. Après, je ne sais pas si JS sera d'accord avec ça. Moi, personnellement, je préfère dépenser 500€ pour un truc bien que 770€ pour un truc bien. Mais 100€ dans cette gamme de prix, bon...
Hein. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ah, quand même, alors, attendez les gars, c'est pas 100 euros, c'est plus que 100 euros. Hein. Non, la différence de prix, c'est en fait, en temps normal. Il y a plus de 100 euros, en plus le prix du Galaxy S7 est sorti en février, donc il a vraiment baissé depuis février. On le trouve vraiment à des prix bien plus abordables. Il y a 300 euros d'écart entre les deux. Il pouvait partir. Il est plus cher. Techniquement, l'iPhone 7 est quand même bien plus cher que le Galaxy S7. Bon, alors, bim, dans les dents, Jean-Sébastien Zanky, le prix du Galaxy S7. Qu'est-ce que tu rétorques à ça? Alors effectivement, l'iPhone 7 est beaucoup plus cher, là-dessus il n'y a pas photo. Effectivement, Raphaël a raison en termes techniques, écran, qualité d'écran, autonomie, le Galaxy S7 est meilleur aussi. Mais il ne faut quand même pas oublier quelque chose, c'est iOS. Pour moi, c'est le meilleur système d'exploitation mobile. Il y a un choix d'applications qui est en général le plus qualitatif que sur Android. Titres sortent souvent avant sur iOS. Si on est joueur, par exemple, il y a beaucoup de jeux qui sortent avant sur iOS. Super Mario Run, c'est par exemple la meilleure preuve, il sortira le 15 décembre. Pour Android, ouais, celui-là sur émulateur gratuitement, hein, sinon il n'y a pas de souci. Sur émulateur gratuitement. Sur émulateur, je pense que ça tombe pas pareil. Non, mais c'est sûr que techniquement, on va dire que Samsung est toujours devant. Mais c'est vrai qu'il y a un gros écart de technique entre les deux aujourd'hui, entre le Galaxy S7 et l'iPhone 7. En autonomie, par exemple, oui, parce que l'iPhone 7 en autonomie, c'est 7h46 sur notre test d'autonomie polyvalente. Le Galaxy S7, voilà, c'est 20% de plus. Là-dessus, c'est... Donc c'est ce qui va vous permettre de soit terminer la soirée vraiment tranquillement. Quand on rentre chez soi avec un iPhone 7, en général, il est un peu sur les rotules. Le Galaxy S7, on a de la marge. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ouais. Avoir un bon smartphone, c'est bien. Avoir un bon smartphone allumé, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais, c'est le télé... En fait, l'iPhone 7, c'est l'iPhone des personnes qui ont des amis, qui se servent pas beaucoup de leur smartphone. C'est ça, pour c'est les gens qui sont sociables. Bien sûr, qui parlent aux gens dans la vie. Non, mais en fait, vraiment, là, moi, je trouve que la différence, c'est en termes logiciels, tout simplement. iOS fonctionne hyper bien. Effectivement, la qualité photo du Galaxy S7 sera un peu meilleure, mais ça sera un peu meilleur quand on le regarde sur un écran d'ordinateur en zoom 100%. Ça dépend. En basse lumière, tu vois la différence sur smartphone. Allez, y a pas de... Non, mais en basse lumière. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, la qualité photo est très très proche, c'est vrai. C'est sûr. L'iPhone 7, les photos, elles sont vraiment très bonnes, mais en basse lumière, le Galaxy S7, c'est assez impressionnant. Mais le Galaxy S7, c'est sûr que techniquement, voilà, il est un peu meilleur. Mais il y a une certaine homogénéité, je trouve, dans l'iPhone 7. Niveau design ? Niveau design, c'est un design qui n'a pas forcément bougé depuis 2 ans maintenant, puisque c'est le même design. Mais par contre, avec la version Jet Black, par exemple, de l'iPhone 7, alors elle marque un petit peu, c'est sûr que quand on l'utilise, il y a quelques marques dessus. Mais malgré tout, elle est magnifique. Elle est magnifique. Non, mais elle est magnifique. Non, mais c'est vrai que le design... c'est vraiment super. Objectif et l'iPhone 7 il est très beau. Là, c'est objectivement, l'iPhone 7 est très beau. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Si, de toute façon. Mais il n'y a pas de souci. Juste deux petites choses importantes quand même, c'est que le Galaxy S7 tient une prise jack. Donc ça, ça peut. Mais ça sert à rien les prises jack, Raphaël. Ça peut servir quand t'es dans ta voiture ou que t'as pas. Non, mais c'est vrai. Après, faut encore dépenser de l'argent. Voilà. Et profitez bien. Vous éteignez bien les lumières et vous arrêtez l'ordinateur, le magnétoscope qui tourne à la fin. Non, et puis Mais profitez-en bien parce que sur le S8, visiblement, il y aura plus de prises jack. C'est vrai, peut-être. Non, et autre chose vraiment, à mon avis, qui est très important quand même, c'est le port micro SD. Parce que le port micro SD, quand on voit le prix que fait payer Apple pour avoir un peu de mémoire supplémentaire, c'est quand même assez rentable d'acheter une version 32Go et d'avoir un micro SD en plus. Ça coûte quand même moins cher. Bon, bah écoutez, on a dit l'essentiel. Hein. C'est vrai qu'entre ces deux univers, ça reste quand même un choix très affectif. Oui. Et puis en plus, qui dépend d'autres paramètres. Ça dépend des autres machines qu'on a à la maison. Exactement. Si on aime l'Apple Watch, on n'a pas le choix. Etc. Mais c'est vrai que si on est plutôt dans la raison et pas trop dans la passion, en plus avec les baisses de prix du Galaxy S7 aujourd'hui, qui coûte 300 euros de moins que le iPhone 7, voilà, ça peut osciller. Ça peut arbitrer. Quand vous avez des périodes de promo, le Black Friday, il est parti il était à 480 euros. C'était impressionnant. C'est incroyable. Bon, à part le Galaxy S7 et l'iPhone 7. Qu'est-ce que vous avez comme coup de cœur, les amis? Raphaël, on commence par toi. Allez, vas-y. Alors, moi, j'ai eu toujours, on va dire, chez Samsung, la Gear S3, qui est quand même assez sympa, qu'on a testé il n'y a pas très longtemps au labo. Alors, là, pour le coup, effectivement, elle est très chère. Elle coûte 400 euros, donc c'est au même prix quasiment que l'Apple Watch. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'écran AMOLED. Mmh. C'est Tizen. Alors, on parlait d'intégration logicielle. Là, pour le coup, Samsung intègre son logiciel. C'est pas de l'Android Wear, c'est Tizen. Ça marche hyper bien.
En plus, il y a l'idée de génie, je trouve, c'est la couronne rotative. Alors on voit par rapport à l'Apple Watch, il y a aussi quelque chose que ce qu'on sait là, clairement, l'Apple Watch est quand même beaucoup plus petite, beaucoup elle est plus belle. Fine. Hein. La Gear S3... Ta montre en dirait une petite poêle. Hein, quand même. Ouais. Je pense qu'on peut faire cuire un petit steak haché dessus. Un œuf au plat, il n'y a pas de souci. Bah, c'est surtout qu'elle est, elle est que masculine. Quoi. Elle est, faut pas avoir de petits poignets, c'est vrai. Elle est essentiellement masculine, même moi qui n'ai pas des très gros poignets, c'est vrai que ça fait assez imposant, c'est vrai. Mais au niveau fonctionnalité, écran et surtout, elle a une autonomie de 4 jours. Donc l'Apple Watch, il faut la recharger. Enfin, on va pas rester dans le débat, hein, mais l'Apple Watch, il faut la recharger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents qui font recharger, même des Android Wear. 4 jours d'autonomie, moi c'est vraiment un coup de cœur. Elle n'est pas donnée, elle est un petit peu grosse, c'est vrai. Mais c'est vraiment quasiment un sans faute, plein de fonctions, GPS, etc. J'aimerais bien voir cette montre, la Gear S3, sur le mignon petit poignet de Delphine Sabatier. Oui, eh ben, je pense que ça pourrait être sympathique. Je vais lui laisser. On fera le test pour voir ce que ça donne. À mon avis, il y aura un petit problème quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas très féminin. Le coup de cœur de Jean-Sébastien. On va rester dans les montres, et on va rester chez Apple. Oh non, c'est pas vrai. On reste quand même dans la balle. On continue les deux, mais c'est terrible à la cafette, hein, dis donc. On se parle plus. C'est terrible. On est côte à côte. On sent quand même qu'il y a une tension palpable. Donc c'est l'Apple Watch Series 2, tout simplement, parce que c'est enfin l'Apple Watch qu'on attendait de la part d'Apple. La première était, on va dire, un coup d'essai. Et vraiment, je trouve que la fonction, moi en tout cas, coup de cœur de cette Series 2, c'est qu'elle est enfin étanche. Et pour tout vous dire, je me suis remis à la natation grâce à l'Apple Watch Series 2. Tout à fait. Eh bien voilà. Parce que c'est vraiment super. D'ailleurs, montrez-nous les images de Jean-Sébastien Zampi en maillot, s'il vous plaît, Jean-David. Hein. Ça siffle un peu là. Du coup, c'est Jean-Sébastien. C'est non pas le maillot, donc, mais c'est plus de cheveux, les plus Jean-Sébastien là. Si elle était résistante au feu, t'aurais foncé. Exactement. Non mais c'est vraiment un super compagnon pour le sport et notamment en natation, ça m'a bluffé. Ça reconnaît exactement les longueurs, ça reconnaît même le type de nage qu'on nage, c'est quand même assez bien fichu. Ouais. Et voilà, ça motive pour toutes les activités sportives. 449 euros. Premier prix. Ouais. Bon. Et la version précédente reste disponible. Elle reste disponible, elle n'est pas étanche et elle coûte 319 euros maintenant, donc elle est quand même assez abordable. Et pareil du côté des Gears, la Gear S2 reste disponible également. Alors la Gear S2, j'ai pas vérifié très honnêtement. Je pense qu'elle est toujours disponible, sachant qu'ils gardent en général les produits de l'année d'avant. Donc je pense qu'elle est toujours disponible. Oui, parce que c'est toujours une montre acceptable. Non, la Gear S2, elle est très bien. Là, un peu moins bien finie. Elle est clairement au niveau des définitions. Là, on est vraiment dans des. On a une question de Lucien qui nous demande si les bracelets de la Gear S2 sont compatibles avec la Gear S3. Alors non, pas compatible, mais en fait c'est pour une bonne raison. Non, c'est pas plus mal, je veux dire. Parce qu'en fait, la Gear S3, pour la première fois, c'est des bracelets standards d'horlogerie, c'est 20 mm il me semble. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez acheter n'importe quel bracelet en cuir. Si vous avez un petit artisan en bas de chez vous qui fait des beaux bracelets de montre, vous pouvez l'acheter et le mettre sur la Gear S3. Donc c'est complètement flexible à ce niveau-là. Donc la Gear S2, c'était propriétaire, c'était un peu dommage justement. Ouais. Donc du coup, c'est pas compatible avec la Gear S2. Alors on pouvait, ils vendaient d'autres bracelets, mais là c'est vraiment des bracelets classiques d'horlogerie, donc c'est plutôt sympa, je trouve, si on a envie de changer et qu'on n'a pas envie d'acheter que des bracelets chez Samsung, on peut acheter des bracelets où on veut. Très bien. Bon, côté smartphone. Côté smartphone, alors je sais que tu en as deux coups de cœur. Qui ne sont pas des iPhones. Non, qui ne sont pas des Galaxy d'ailleurs. Non, aussi. Mais j'ai envie de dire, moi, mon vrai coup de cœur de la rentrée, et je crois que je suis pas le seul parce qu'il a bien marché, c'est le Honor 8 qui est annoncé en septembre dernier, qui coûte 400 euros. Je trouve que c'est juste le meilleur rapport qualité-prix du moment. C'est un smartphone qui est quand même hyper joli, il a un très beau design. Il ressemble d'ailleurs un peu au Galaxy S6. En photo, surtout, moi, il m'a vraiment bluffé. C'est une qualité photo qui est très proche de celle de haut de gamme. Il est très puissant. En fait, c'est un peu une sorte de Huawei P9 bis, sans le marketing, sans la marque, sans les cas, sans les cas aussi. Voilà, moi, c'est vraiment le smartphone. On me l'a donné en main. Je l'ai testé. Je m'y suis habitué tout de suite. Il est hyper actif pour 400 euros. C'est une bonne affaire. C'est vraiment une très bonne affaire. Moi, c'est j'ai envie de dire mon coup de cœur des 6 derniers mois. Très bien. D'accord. Super. Deuxième et autre smartphone. Un coup de cœur plus objectif, c'est le OnePlus 3T qu'on attendait. Voilà, il y a eu le OnePlus 3 il y a 6 mois. Ils ont sorti le OnePlus 3T. Qui est à peu près pareil, donc ça reste un smartphone très puissant avec un écran AMOLED qui est plus autonome que le OnePlus 3, alors qui est un peu plus cher aussi, il coûte 439 euros. Donc c'est vraiment la valeur sûre du milieu de gamme aussi à 439 euros. Le seul bémol, c'est en photo. Moi j'ai été un petit peu déçu des photos du OnePlus 3T, je l'ai trouvé même peut-être un peu moins bon que le OnePlus 3, donc si vous aimez la photo,
on va dire que le Honor 8, c'est peut-être encore le meilleur choix, mais vraiment, voilà, deux super smartphones, si on n'est ni Samsung, ni Apple, pour 400 euros, 440 euros. Non, c'est bien, ça nous éclaire vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a dans la forêt des smartphones. Il y a beaucoup d'appareils qui arrivent dans cette gamme de prix, et voilà. C'est la sélection de Raphaël. Jean-Sébastien, on a un autre aussi. Aussi, qui on reste un peu dans la famille Honor, puisque c'est Huawei, c'est la maison mère d'Honor, qui a donc sorti ce Huawei Nova, qui avait été présenté à l'IFA. Quand il l'avait présenté, moi, j'étais un peu sceptique, parce que je pensais qu'il allait vraiment se faire complètement cannibaliser par le Honor 8 dont Raphaël vient de nous parler. Et en fait, il a ses qualités, c'est-à-dire qu'il est un petit peu moins cher que le Honor 8, il a 50 euros moins cher, autour des 350. Et c'est surtout sur l'autonomie, il a une batterie, c'est un écran 5 pouces, c'est un petit format. Il est plutôt bien fini. Il est plutôt très bien fini, très joli, tout en métal. Et il a une batterie de 3000 mAh, du coup, on a tenu avec, on tient 9h30, donc c'est vraiment une journée et demie sans problème. Et, donc c'est ton téléphone de secours après l'iPhone 7. Quoi. Voilà, quand il n'a plus de batterie au bout de deux heures, l'iPhone 7. ça quelle mauvaise langue. Non, c'est vrai. Et donc super, et puis un écran aussi très beau, très lumineux, très bon contraste. Voilà, super téléphone, très bon rapport qualité-prix. Et ton dernier coup de cœur? Et mon dernier coup de cœur, c'est, on avait déjà parlé, c'est le casque Bose. Que tu vas m'offrir pour Noël d'ailleurs. Tout à fait, moi aussi. Je te le donne. Je pense que c'est un coup de cœur partagé. Ça. Ouais, c'est le Quiet Comfort 35. Alors on a déjà dit beaucoup, voilà, le son est vraiment excellent, l'isolation sonore est vraiment excellente. Mais il y a aussi un point dont on ne se rend pas forcément compte quand on l'a en main pour la première fois, c'est son autonomie. En fait, il a annoncé 40 heures d'autonomie et effectivement, je me rends compte que je le recharge tous les 10 jours, quoi, alors que je l'utilise 2 ou 3 heures par jour. Et je fais pas attention en fait, s'il a de la batterie ou pas. Donc c'est vraiment hyper confortable. Alors qu'on voit actuellement Pierre Thiolin, notre JRI, qui l'a testé, ce Q35, dans toutes les conditions. Il est arrivé d'ailleurs à Orléans, il s'est réveillé à Orléans. après avoir écouté toute la discographie de Stéphanie. Non, mais en plus, on peut ajouter qu'il est super confortable. C'est le plus confortable. C'est le seul qui aurait apporté des heures avec les lunettes. Ça, c'est un petit câlin pour oreilles. Les oreilles. C'est génial. C'est vraiment. Ouais. Combien il coûte? 380 euros. Ouais. C'est un beau cadeau. Ah bah oui, c'est un très beau cadeau. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Ouais. C'est clair. Vous prenez ça plus un iPhone 7, vous êtes cuit toute l'année. Vous êtes c'est ça. Messieurs, merci. Super. Merci beaucoup. Alors c'est pas terminé, la sélection de 01net.com reviendra dans quelques instants avec Aymeric Siméon, PC forcément, mais d'autres choses, et puis Stéphanie Molinier. Et puis auparavant, c'est le Zoom Actu. C'est la chronique Zoom Actu de Delphine qui veut nous parler d'un drôle de cadeau de Noël, malheureusement pas très gai. Un peu triste. Vous êtes sur 01net TV, le 01 Live Hebdo, comme chaque jeudi 18h-18h30. C'est toute l'actu high-tech de la semaine avec la rédaction de 01net.com et sa directrice des rédactions, Delphine Sabatier. Bonjour Delphine. Salut. Bonjour Delphine. Et oui, ça clignote, ça clignote partout là aujourd'hui. Ah, là aujourd'hui, c'est joli. Hein. Franchement, j'espère que tout est étanche parce qu'autrement, j'ai un peu peur quand même. Je ne sais pas si ça tombe un petit peu d'eau. Je sais pas quoi. C'est rare en même temps ici. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon Delphine, alors, c'est vrai que c'est un cadeau qu'on aurait pu s'offrir à Noël et on ne pourra pas parce que la montre Pebble, on a eu confirmation hier, c'est terminé. Oui, c'est un peu la petite parenthèse désenchantée dans notre shopping de Noël aujourd'hui puisque eh bien, les fans de la première heure ont appris, il y a eu une confirmation hier que la Pebble était revendue à Fitbit. Alors la Pebble, on rappelle, c'est la première montre connectée qui a vraiment lancé ce marché. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle puisque finalement il est racheté par Fitbit. Fitbit, on rappelle aussi que c'est le leader, le numéro un mondial aujourd'hui sur les wearables, les trackers d'activité, les bracelets, si on prend le marché dans sa globalité. Donc on pourrait se réjouir. Mais les fans pleurent aujourd'hui parce qu'ils ne pourront pas avoir leur Pebble, les nouveaux modèles en tout cas, sous le sapin cette année. C'est un coup dur, hein. Voilà, c'est un vrai coup dur. En fait, ils arrêtent totalement la production matérielle. Tout ce qui est hardware n'existera plus sous la marque Pebble. Donc il y avait 3 nouveaux modèles qui étaient en précommande. Eh bien non, vous ne les recevrez pas. Ceux qui ont déjà reçu leur nouveau modèle en plus, eh bien ne pourront pas demander un remboursement. Non, c'est vraiment la nouvelle qui tombe très mal à ce moment de l'année.
Oui, parce qu'en plus, évidemment, ce projet était sur Kickstarter et avait remporté. Tu as raison de le rappeler, c'est vrai que... C'était un vrai succès, quoi. Ça a été phénoménal sur Kickstarter. Ils ont battu des records de levée de fonds auprès des internautes. Ça touche vraiment les geeks, les vrais technophiles. Mais alors, c'est ça le paradoxe, Delphine, c'est que d'un côté, voilà, ça cartonne sur Kickstarter, ils ramènent énormément d'argent. Ouais. Mais d'un côté, donc, ils se font acheter par Fitbit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le marché des montres connectées, il est encore tout petit, finalement. Il faut avoir vraiment les reins solides aujourd'hui pour tenir. Ils n'ont pas, évidemment, la puissance de marque non plus d'un Apple. Hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît Pebble aujourd'hui dans le monde. Je ne suis pas persuadée. Donc, ils ont souffert de ça. Même s'ils ont fait un Kickstarter hyper réussi encore en avril dernier, ils ont aussi, dans le même temps, dû supprimer des postes. Ils ont licencié à peu près 25% de leurs salariés. Donc, ça allait de toute façon très mal. Et alors pourquoi Fitbit les rachète? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors pour eux, c'est quand même une bonne affaire puisqu'on disait qu'ils étaient numéro un sur l'ensemble du marché tracker montre. Sur les montres, ils vont pouvoir vraiment asseoir leur suprématie en rachetant Pebble. Alors en arrêtant en même temps le hardware, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Oui, c'est bizarre. Mais ce qu'ils ont racheté, c'est véritablement l'équipe, hein, c'est le savoir-faire logiciel. Cette montre, elle a été copiée, non pas pour son design qui est vraiment discutable et qui n'a pas forcément convaincu tout le monde. Un peu basique comme design. Mais en termes d'interface, ça a été un modèle, notamment copié par Apple sur certaines fonctionnalités. Mm-hmm. Donc c'est ce talent, cette équipe logicielle aujourd'hui qui est rachetée par Fitbit. C'est pas forcément le plus facile à préserver. Et je pense qu'on en reparlera. Ce serait intéressant de faire un petit focus vidéo avec notamment le rédacteur en chef de 01net.com, Eric Le Bourlou. Qui pleure. Il est roulé en boule devant la porte et il pleure. De la première heure dans la rédaction. Il a encore sa Pebble avec lui et il est très triste aujourd'hui pour son Noël. Ouais, il va l'encadrer, je crois. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était la première qui avait un écran spécial, qui consommait très peu, donc une autonomie exceptionnelle d'une semaine. C'est vrai que ça fait rêver. Ouais, mais ce n'était pas un écran tactile, si je me souviens bien. Non. Et puis bon, franchement, moi je la pleure. On ne commence pas. Ah, moi je la pleure. On ne commence pas à relancer le débat. Voilà. Non, mais c'est, vraiment, c'est la fin d'un pionnier aujourd'hui. On peut quand même. Mais dans l'histoire, mais je pense qu'on se souviendra de Pebble, dans l'histoire de la montre connectée, parce qu'ils ont été au départ, ils ont apporté plein de bonnes choses, de bonnes idées. Et puis bon, après, évidemment, alors maintenant, charge à Fitbit de préserver ses talents et d'en faire quelque chose pour que toute cette communauté qui était derrière Pebble continue à exister. Mais la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que ce ne serait pas un signe finalement de la mauvaise santé du marché des montres connectées aussi? Parce qu'on se rend compte que c'est un marché qui a du mal à décoller, même chez Apple. Il y a toujours pas de killer app. C'est ce que disait Delphine, si on n'est pas un très gros acteur, on ne s'en sort pas. Ouais. Et même Apple, visiblement, selon les derniers chiffres d'IDC, aurait fait une décroissance de 70% là cette année. Oui, alors que... Alors Tim Cook on verra le résultat. Il espère que Noël sera un super Noël pour l'Apple Watch. Rendez-vous dans 4-5 ans, la montre, elle sera connectée. Ah, dans 4-5 ans. Ah bien. Oui, moi aussi, je peux faire des paris comme ça. Ouais. 4-5 ans, je me mouille pas trop. Bon, sinon, est-ce que le Père Noël existe? Oui, ce sera la question 01net de la semaine prochaine. Ça. Tiens, à propos, cette semaine... Non, parce que moi, sinon, je veux bien une Tesla. Oh voilà, c'est mon shopping à moi. Comme il n'existe pas de manière certaine, j'ai peur d'être déçu. C'est vrai qu'on n'a pas mis les voitures dans notre sélection. Bon, en tout cas, merci beaucoup Delphine. Delphine Sabatier, donc directrice de rédaction de 01net. Et on va poursuivre ce 01 Live spécial Noël à 18h22 avec Émeric Siméon et Stéphanie Molini qui nous rejoignent tout de suite. On va parler de PC, on va parler de drones, on va parler de liseuses dans cette deuxième partie de 01 Live Hebdo avec Émeric Siméon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Émeric. Et Stéphanie Molinier. Bonjour. Salut Stéphanie. Salut Stéphanie. Alors Stéphanie, vous le savez, a plusieurs passions, les smartphones, elle adore les liseuses aussi. C'est une vraie geekette, ça c'est clair. Hein, normal, elle est à la rédaction de 01net.com. On va commencer par toi Stéphanie. Petite sélection de produits. Alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts et pour tous les prix. Exactement. Alors, pour mes coups de cœur, j'ai mis deux liseuses et un smartphone. Voilà. Voilà. Deux liseuses. C'est pour équilibrer. Alors la première liseuse, dont le test est à venir, mais que j'ai déjà bien utilisée, c'est la Kobo Aura One.
Alors, c'est une des dernières Kobo et sa particularité, c'est qu'elle a un écran beaucoup plus grand que les autres liseuses qui sont souvent au format 6 pouces. Celle-là a un format de 7,8 pouces. Ah oui. Alors là, voilà, ça redémarre, c'est bon. Alors, non seulement... oui, elle est bien, mais je reboote ma liseuse. Donc, en fait, concernant cette liseuse, donc elle a un très grand écran, donc c'est très agréable. Hein, on peut vraiment adapter la taille de la police à ses yeux. Mais la chose aussi importante, bah, c'est qu'elle est dotée des dernières technologies. Elle a un écran e-ink Carta, donc c'est haute résolution. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Et puis surtout, elle dispose de l'éclairage intégré. Voilà, ce qui caractérise vraiment les liseuses haut de gamme. Donc on peut dormir avec monsieur ou madame à côté, sans gêner. Ça c'est top. Et le petit, elle a deux petits bonus quand même, c'est qu'elle est étanche. Ah, on peut la faire tomber dans l'eau, dans la piscine, ou à la mer. Donc on peut lire sous l'eau, dans la nuit, il n'y a pas de problème. En prenant son bain. En prenant son bain. Ah ouais, c'est à vrai. À la plage. Mmh. Sans risquer les mains qui éclaboussent tout. Enfin, les bains, c'est pas bien. Hein, et la deuxième particularité, c'est que il y a au niveau de l'écran un traitement anti-lumière bleue. Ah. Voilà. D'accord. Ce qui fait que quand la luminosité ambiante baisse, plutôt que d'avoir l'éclairage à fond qui va, j'irais un petit peu abîmer nos yeux, et ben en fait on a une espèce de filtre légèrement rosé. C'est un peu surprenant au début, on se dit mais pourquoi ma liseuse devient toute rose? Mais non, c'est normal, c'est pour protéger les yeux. Donc voilà. Donc ton premier coup de cœur, cette liseuse. Tu en as une deuxième, mais on la gardera tout à l'heure. Hein. On va déjà passer au smartphone, je crois qu'on on en a déjà vu plusieurs. Mais moi j'aime bien le Sony X Compact. Alors c'est une série qui existe depuis très longtemps chez Sony, je crois qu'on en est à la troisième ou quatrième édition. C'est un smartphone généralement très bien équipé. Il est bleu celui-ci en plus. Qui coûte pas trop cher et celui-ci a une couleur vraiment peu ordinaire. Oui, c'est étonnant, il est bleu clair. Une espèce de bleu glace, bleu glacé, qui est je trouve plutôt joli, plutôt original. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'il est vraiment... C'est bien puissant. Pour tous ceux qui ont envie d'un petit écran, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la surenchère des tailles d'écran. Là, on est à quoi? 4,5, c'est ça? 4,6. C'est un des rares modèles haut de gamme qui a avoir un petit écran. Hein. Finalement, on a très peu de choses. On a les iPhones ne sont pas très grands, 4,7 pouces, je crois. Celui-là est un petit peu plus petit. Et il est vraiment très agréable à utiliser. Il est un petit peu plus épais que les iPhones. Il est un petit peu plus épais, mais le capteur photo ne dépasse pas. Oui, ça c'est C'est un choix. Il est un petit peu plus épais, mais quelque part, il est très bien équipé. Donc, À quel prix? 449 francs. Ah oui. 449 francs. Comme c'est mignon. Ça y est. Oui, 449 francs, messieurs. 449 euros. Voilà, pour ce petit smartphone. Dernière chose, la liseuse. Oui. Alors, celle-là, c'est la liseuse entrée de gamme, mais c'est le nouveau Kindle d'Amazon. Donc, il y a toutes les fonctionnalités Amazon. Ça fonctionne très bien. L'écran tactile est hyper réactif. On a toutes les fonctionnalités Amazon. C'est vrai qu'Amazon sait faire quand même en termes de liseuse. Pour seulement 70 euros. Alors, la petite déception, c'est qu'il n'y a pas l'éclairage intégré. Donc là, il faut... Mais certaines personnes n'apprécient pas l'éclairage intégré. Ils préfèrent vraiment... Oui, c'est la liseuse vacances au soleil. Quoi. Voilà, exactement. Et elle fonctionne très très bien. Elle est beaucoup plus fine et légère que le modèle de l'année dernière. Donc très agréable à mettre dans une poche. Donc c'est la moins chère en fait du marché, celle-là? Tout à fait. Ouais. Il y a peut-être des modèles qui existent. En supermarché. Mais bon, celle-là, elle a vraiment l'avantage d'avoir toutes les fonctions. L'écosystème Amazon en plus. Et voilà, parce qu'au-delà quand même de l'appareil lui-même, il y a la question des contenus. Hein. Voilà. Il faut il y a un vrai catalogue. C'est hyper pratique. Bah, Amazon, il y a tout. Mais il n'est pas ouvert avec il n'est pas ouvert sur le EPUB gratuit. Voilà, exactement. Parfait. Alors, puisqu'on est dans les cadeaux pas chers, petite sélection, parce que Stéphanie a pensé à toutes les bourses, et notamment des petits cadeaux pas chers. Ben oui, je me suis dit que quand même, tout le monde n'avait pas des budgets. On a parlé de beaux produits, des produits absolument... merci. Des produits qui étaient super, mais parfois très chers. Tout le monde n'a pas ce budget. Ouais. Et on peut faire des cadeaux high-tech à moins de 100 euros. On a tout dans notre dossier de Noël. D'accord. On a toute une liste de produits. J'en ai amené quelques-uns. Donc, on avait cette liseuse. D'accord. On a aussi le drone. Le petit drone qui est là. Le Dromida Vista. Ce petit drone qui existe déjà depuis un certain temps. Alors, ce drone, ce n'est pas un produit extrêmement sophistiqué, mais il paraît qu'il est
très très fun. D'accord. J'ai retiré la batterie parce que je me suis dit qu'il allait y avoir des joueurs et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il est fiable parce qu'il y a écrit Vista dessus. Moi, ça rappelle quand même de mauvais souvenirs en tant que logiciel. C'est pas bien. C'est pas beau, hein. C'est pas esprit non, de Noël de taper comme ça. Et donc, ce petit drone, il avait été lancé à 80€. Il coûte aujourd'hui une soixantaine d'euros. Franchement, ça fait un cadeau sympa pour un ado. C'est vraiment le jouet qui est vendu partout. Il faut que ça dure plus de 10 minutes quand même. Dans les cadeaux hyper utiles, on a la Chromecast Ultra. Oui. Voilà. Donc Ultra HD. C'est Ultra HD exactement, c'est comment transformer sa télé en télé 4K. Avec en plus une prise qui permet de brancher une prise Ethernet. Et ça, c'est top. Je ne sais plus où, voilà, c'est pas grave. Hein, c'est l'effet démo. Autre chose également, dans les produits vraiment pas chers, on peut aussi aller chercher dans les bracelets connectés. D'accord. Les bracelets connectés. Ce bracelet, on le trouvait un petit peu cher à sa sortie. Il a un écran encre électronique, c'est le Withings Go. Maintenant, il est plus qu'à 50€ et franchement, ça permet de compter ses pas. Et en plus, voilà. Et la dernière chose, je crois que je vais passer la parole au spécialiste à Emery, qui tu dis ça. Parce qu'on a une console à 60€. Bah, j'ai l'impression qu'il te l'a piqué en plus, t'as vu, subrepticement. Ah bah c'est le joueur de la rédac, forcément. C'est vrai. Bah, oui, Steph, on a l'une des rares mini NES qui doit être encore disponible. Pas chez des gens, en rupture de stock, on entend gna 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 en régie, parce qu'il y en a qui l'ont commandé, qui l'ont toujours pas reçu. Voilà, c'est ça, ils l'auront juin prochain. Donc nous, on la met sous clé le soir, donc la NES Mini, hein, donc, qui est qui n'est pas la vraie première NES, hein, voilà, parce que rentrer des cartouches serait compliqué à l'intérieur, mais néanmoins, c'est quand même une petite console vraiment sympa pour les amateurs de rétro gaming. Et donc quand elle sera de nouveau disponible, elle coûte donc 70€ si ma mémoire est bonne. On joue à quoi, c'est incroyable, hein, sur Alors oui, c'est à dire que là en fait les rares qui l'ont, voilà, sur Amazon, c'est ça. Alors là il y a une flambée donc faut quand même rappeler que c'est une console de rétro gaming, donc ce sont des jeux qui ne sont pas les derniers canons en la matière. On peut pas brancher le PlayStation VR dessus. Non, pas du tout, non, bah enfin compliqué, ouais, ça va être chaud quand même. Donc voilà. Bien. Mais pour le reste, voilà, ça c'est rigolo et ça vaut le coup dès qu'elle sera de nouveau disponible. Quels sont tes autres coups de cœur, Amérique? Alors dans l'ordre, il me semble qu'on avait parlé de cartes graphiques. Oui. Donc il y a ça fait toujours plaisir. Oui, voilà. Offrir une carte graphique. Alors chérie, je t'offre ou des chocolats, une carte graphique. Qu'est-ce que tu veux? À votre maman. C'est pas super sexy, on est d'accord, mais quand même. Noémie, notre Noémie à nous avait l'air très intéressée. Hein. C'est vraiment. ouais, je sais pas trop ce qu'elle va en faire, mais. Pour la brancher sur son vélo. Oui, voilà. C'est à dire que quand on lui a dit il y a une GeForce GTX, ça peut être sympa, moi je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, enfin, on lui a dit qu'il y a une GeForce GTX, elle a cru que c'était un bijou au début. Voilà, ça se met autour du cou en sautoir. Bref. Jérôme, je pense que tu vas passer un mauvais quart d'heure tout à l'heure. Ça grogne derrière. Ça grogne un peu. Hein, vengeance. Non, moi je dis pour le, pour madame, c'est l'occasion d'avoir un petit peu la paix. Mais la paix, voilà, c'est ça, tout à fait, voilà. Voilà. Ça c'est sur les couples qui vont mal quand même. Parce que l'objectif, c'est pas. Mais l'inverse existe aussi. Hein, attends, mais un cadeau pour avoir la paix avec son fiancé ou ça. Il y a aussi des gameuses quand même, faut pas les oublier. Donc voilà. Mais alors ça c'est quoi? C'est le top du top du. Non, ça c'est la 1060. Donc c'est, on va dire, c'est la carte milieu de gamme un peu costaud. D'accord. Vendu à partir de 320€. C'est l'équivalent du haut de gamme de l'année dernière qui était vendu pas loin de 560-580€ à sa sortie. Donc la 1060, avec ça on peut jouer en full HD à fond sans se poser de questions, et en plus on n'a même pas besoin de changer d'alimentation parce qu'elle consomme pas grand chose. Le rapport performance efficacité énergétique prix est vraiment top. Non mais voilà. Franchement on rigole, mais je suis persuadé qu'il y a des gamers qui rêveraient d'avoir cette carte graphique, et franchement ça peut être un cadeau original que vous pouvez vous offrir. Voilà. Pour avoir le PC qui va autour, hein, quand même. Bah, oui, quand même. Mais parce que si vous n'avez pas de PC, une carte graphique, ça sert à rien. Seul, ça tout seul, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que brancher sur la machine à laver, par exemple, ça va pas faire grand chose de bien. Ça, on est bien d'accord. Quoi d'autre, Emeric? Il me semble qu'on avait parlé d'un ultra portable. Donc il y a le Dell XPS 13. Donc ça fait partie des. Rends-moi mon jouet. Pardon, voilà. Pardon. Ouais, non mais je vais pas la vimer. J'ai l'impression que tu veux. Non mais c'est vrai. On va venir par quelque chose de très fragile, important. C'est fragile, Jérôme. C'est fragile. C'est Noël. Je veux acheter un ultra portable. Lequel je choisis? Voilà. Alors il y a parmi tous ceux qui sont passés par la rédaction ces derniers mois et donc même cette année, il y a le Dell XPS 13 qui est resté pour nous l'un des incontournables et donc qui est un de mes coups de cœur, puisque en fait c'est l'un des plus endurants du marché qu'on ait eu jusqu'à présent. Endurant donc au niveau batterie. Ouais, tout à fait. Au niveau autonomie.
l'autonomie. On a atteint plus d'une journée en travaillant. Caresse son ordinateur. Oui, oui, hein. Moi j'aime bien ça, moi, caresser les ordinateurs. Ouais, ouais, ça me fait des. Enfin bref. Donc voilà. Et si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que celui-ci, pour le coup, est proposé tant en dalle Full HD mat que en dalle éventuellement. Donc je crois qu'on va jusqu'à la 4K en tactile pour ceux qui aiment poser les mains dessus. Ah oui. Alors attention, bien sûr, si vous optez pour la version tactile, l'autonomie sera moindre puisque ça consomme un peu plus. D'accord. Voilà. Joli cadeau aussi. L'écran n'est pas détachable. Non, alors ça voilà, ce n'est pas un hybride, c'est un vrai ultra portable, c'est pas un convertible, etc. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas l'écran pour partir avec sous le bras façon tablette. Si on enlève l'écran, c'est qu'il ne marchera plus après. Ouais, ça, voilà, il n'y aura plus grand chose à l'écran pour le coup. Voilà. Voilà. Et il me semble que dans les deux dernières choses. On est à combien dans les tarifs ? Alors, on commence, il me semble. Alors ils sont en train de renouveler les gammes, parce qu'il y a plein de composants qui sont en train de changer là. On renouvelle un peu les gammes et il me semble qu'on est à partir de 1000-1100 euros. Très bien. Et après ça monte. Ouais. Ah oui, 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 c'est-à-dire que bon, aluminium, fibre de carbone, tout ça, la qualité se paie, dirons-nous. Voilà. Et il me semble que les deux derniers coups de cœur, c'est les jeux vidéo. Parce que allez, très vite. Bien. Alors le premier, c'est Overwatch. Merci pour Amérique, les amis. Ouais. Donc le premier c'est Overwatch je crois. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur, le dernier jeu de Blizzard. Voilà, c'est ça connaît un très très gros succès tant sur la scène e-sport que les jeux en ligne de gens qui sont pas compétiteurs mais qui adorent s'amuser. C'est vraiment un jeu d'un genre nouveau et graphiquement particulier. Quand même assez, ah oui non, clairement, hein, on n'est pas là pour se faire des caresses hein, Overwatch 1, on est quand même là pour se fraguer la tête, hein, faut voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir, ce qui est plutôt pas mal pour l'instant. Ouais, lui il est sympa, lui le pudge, il est sympa. Ce qui est plutôt bien, c'est que Blizzard a enrichi la gamme de personnages les mois passants. Et on ne débourse pas un centime pour l'instant pour avoir ces personnages-là, contrairement à d'autres studios qui ont un peu tendance à nous faire passer à la caisse dès qu'il faut. On en parlera d'Overwatch d'ailleurs dans le prochain 100% gaming. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça a été un des oubliés de notre sélection du dernier numéro. On va se rattraper. Et le dernier, comment ne pas en parler, c'est Overwatch. C'est Watch Dogs 2, pardon. Overwatch, Watch Dogs, c'est voilà, c'est ça, Watch Dogs 2. Très bien, coup de cœur de cette fin d'année. Très très bonne surprise, bien moins dark que le premier opus, beaucoup plus fun, monde beaucoup plus agréable, avec énormément de clins d'œil à la Silicon Valley, le monde des geeks. Ces images, voilà. Et tout ça, c'est des images en jeu. Ah, voilà. Ah bon, c'est pas vrai. C'est pas des cinématiques. Alors, sur PC, je vais préciser parce que ça a quand même son importance. Donc il faut 12 GeForce GTX. Non, pas nécessairement. Enfin, faut quand même avoir une machine qui tient un peu la route. Pour pouvoir afficher le jeu en cette qualité-là. Mais moi, j'ai pris une vraie claque sur la version PC, donc qui est sortie un peu après, 15 jours après la version console. Mm-hmm. J'ai fait des comparaisons. Et c'est assez impressionnant en termes de qualité, etc. Le gameplay est vraiment sympa, l'ambiance est sympa. Il faut absolument y jouer. On en parlera aussi dans 100% gaming, j'imagine. Voilà. Ce fameux Watch Dogs sur PC qui est sublimissime. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Merci, Aymeric. Merci beaucoup. La question 01net orange du jour, elle concerne Noël, bien entendu. Donnez-nous votre avis cette année à Noël. Vous êtes plutôt smartphone, ordinateur, montre connectée ou drone ou autre chose. Vous pouvez continuer à voter. Vous allez sur www.01net.com. Voilà pour notre question 01net orange. Et ce 01 live hebdo est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. C'était notre sélection de Noël. Peut-être qu'il y en aura une la semaine prochaine, parce que finalement, il y a encore Noël ne s'arrête jamais. Plein de choses, plein de coups de cœur. Et voilà, on en reparlera sans doute jeudi prochain. Voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont préparé ce 01 Live Hebdo. Noémie Lefèvre, Marek, Jean-David Duarte, Thomas Romire et Pierre Thiolin. Voilà. Et puis mention spéciale vraiment à toute notre équipe technique qui fait un travail fabuleux tous les jours sur 01net TV. Voilà, ils sont au top et on leur fait de gros bisous. Enfin, s'ils le veulent, je suis même pas sûr qu'ils le veulent. Portez-vous bien. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite. Bonne soirée à tous.